soit à calculer la limite de la fonction ln x, le tout au cube, plus ln x, lorsque x tend vers 0, par valeur légèrement supérieure, c'est-à-dire lorsque x tend vers 0+. Alors, un exemple de 0+, pourrait être 0,0001. Donc, d'après le cours, moi, je sais que la limite de logarithme de x, lorsque x tend vers 0, par valeur légèrement supérieure, ça me donne moins l'infini. Et je vais me baser sur ça pour construire mon raisonnement. Donc ici, au brouillon, logarithme de 0+, ça me donne moins l'infini. Moins l'infini au cube. Moins l'infini multiplié par moins l'infini multiplié par moins l'infini. Il y a un nombre impair de signes moins, ça me donne donc moins l'infini. Donc moins l'infini pour ce terme-ci. Et ici, logarithme de x tend vers moins l'infini. Donc j'ai une structure moins l'infini plus moins l'infini. C'est-à-dire en fait, moins l'infini moins l'infini, ça me donne du moins l'infini. Donc je vais marquer est égal à moins l'infini, et en termes de justification, je vais mettre limite de ln x lorsque x tend vers 0+, est égal à moins l'infini, et limite ici de u au cube lorsque u tend vers moins l'infini, me donne moins l'infini. Nous avons ici une fonction composée. Ici, le contenu du cube tend vers moins l'infini. Ce contenu, je l'appelle U. Si ce contenu tend vers moins l'infini, alors moins l'infini au cube, ça me donne moins l'infini.